Après avoir brisé le silence et dénoncé les violences sexistes et sexuelles dont elle a été victime dans le milieu du cinéma, Judith Godrèche vient encore taper du poing sur la table. Cette fois, pas de discours comme au César 2024, mais un court-métrage sur les violences sexuelles, diffusé au Festival de Cannes. Méfiez-vous des petites filles, elles se blessent mais elles rebondissent. Ces mots, Judith Godrèche les prononçait lors de la cérémonie des Césars le 23 février dernier. Depuis quelques mois déjà, Judith Godrèche a pris la parole, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les autres victimes. Elle a décidé de porter plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot, avec qui elle a vécu une relation d'emprise dès l'âge de 14 ans, l'accusant de viol et de violence sur mineurs. J'aurais voulu que Benoît accepte d'être mon ami, de ne pas m'avoir, je ne voulais pas de son corps. Très vite, il me dégoûtait, avait-elle écrit dans un texte, en marge de son audition. Ce n'est pas le seul que l'actrice a souhaité dénoncer. Elle accusait également Jacques Doyon d'Abus. C'était hallucinant. Il a viré l'acteur et il s'est mis à la place et d'un coup il décide qu'il y a une scène de sexe entre lui et moi, a-t-elle partagé, révélant les manipulations dont elle a été victime. Son combat semble porter ses fruits. Le jeudi 2 mai 2024, l'Assemblée nationale a approuvé, à l'unanimité, la création d'une commission d'enquête sur les abus et violences dans le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité. Une immense victoire pour le combat de Judith Godrèche et pour toutes les victimes qui ont longtemps été ignorées et méprisées. Judith Godrèche prend place au Festival de Cannes. Après son discours poignant des Césars, Judith Godrèche a décidé de frapper une nouvelle fois. Cette fois, ce n'est pas elle qui prendra la parole, mais d'autres victimes dont elle a recueilli les témoignages. Ces dernières ont accepté de prendre la parole dans Moi aussi, le dernier court-métrage de Judith Godrèche. Présenté à l'occasion du Festival de Cannes lors de la cérémonie d'ouverture du Certains Regards en salle Debussy du Palais des Festivals et au Cinéma de la Plage, en accès libre, le 15 mai prochain. Dans un communiqué, les organisateurs indiquent que ce court-métrage met en lumière les récits de victimes de violences sexuelles. Autant d'expériences individuelles qui s'ajoutent à la sienne et soulignent leur caractère tristement universel. Le Festival de Cannes souhaite ainsi faire résonner ces témoignages. La fin de l'omerta ?